Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 22e épisode sur Nioh 2. On est toujours au début de la voie du Nioh, donc c'est-à-dire le dernier palier, le 8ème plus, le palier le plus difficile. Ouais, bah on va le vendre. Je m'attendais à quelque chose de bien mieux. Donc qu'est-ce qu'il veut? Toujours une gourde. Et c'est le nom exact de gourde qui exige.
l'impression que c'est en bordel. Plus 37, non? On lui donne pas un plus 37. Tiens, t'es déjà rentré? Tu devais rentrer plus tard, Braise, non? Dis pas que t'es tombé malade ou que t'as eu des problèmes. Enfin, bonsoir à toi. Mais t'es rentré plus tôt que d'habitude, non? Tu devais rentrer une semaine plus tard, il me semble. Ou on n'a pas vu le temps passer? Alors ces vacances, elles sont bien passées? T'es resté 3 semaines ou 4 semaines là-bas? Ça va te faire bizarre là. Bah, t'avais du soleil et là tu rentres, tu reviens dans une région où le soleil n'existe pas. Ça va te faire bizarre. Le mec qui enfonce le clou direct. C'était pas trop dur de revenir? Ah oui, c'est vrai, t'as pris l'avion et t'as atterri à Brest. Bon, apparemment, t'as passé de très bonnes vacances, c'est le principal. Ouais, j'ai eu du mal, hein. J'ai eu du mal. C'était sympa. J'ai eu du mal sur les phases de tir. Je suis mort des fois 10 fois, 15 fois, 20 fois d'affilée. Sur les phases de tir, c'est pas facile parce que les ennemis, ils arrivent de tous les côtés. C'est vraiment bizarre. Mais c'est court, hein. Ça a duré un week-end. Est-ce que t'as fait un tour sur le Discord ? Ouais, mais sur console, tu dois avoir une aide à la visée.
Sur PC, tu dois pas l'avoir. Et du FPS à la manette, je suis vraiment une quiche. Hein. Enfin, là, en l'occurrence, c'est du TPS. Je suis vraiment une grosse quiche. Et encore, on n'était pas au niveau de difficulté le plus élevé, puisqu'il y a un niveau de difficulté extrême qui se débloque une fois qu'on a fini le jeu une première fois. Donc là, on est toujours sur Nioh 2, comme tu peux le voir. On est sur le dernier palier, hein, donc on est sur la voie du Nioh, le palier le plus élevé, en difficulté. C'est vraiment hardcore. Vraiment, vraiment hardcore. T'as des mobs élites qui sont plus durs que les boss. T'as des mobs élites qu'on n'arrive pas à tomber. C'est vraiment, vraiment chaud. Et on n'a pas fait Gotham Knight. Le jeu a été considéré comme très moyen. Donc on va attendre que le prix diminue et on verra plus tard. Mais a priori, il y a des rumeurs de plus en plus insistantes qui laissent à penser que le patch next-gen pour The Witcher 3 sortirait début décembre. Et Franck a craqué, il a acheté The Witcher 3 et ça a l'air de bien lui plaire là. Bon allez, 36. Ordinaire, je les vends les 36. Du coup, est-ce que tu as fait un tour sur le Discord ou est-ce que tu vas faire un tour sur le Discord? Ok. Bon, du coup, à la chaîne, il y a une chaîne YouTube qui est attachée. Sur laquelle tu pourras accéder aux vidéos en VOD.
Ouais, ce que je viens de te dire. Ouais, on va en faire un. Donc je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne. Pas trop fatigué avec le décalage horaire ?
J'espère que sur le parchemin on aura une meilleure stat. T'es rentré aujourd'hui? T'es rentré hier? Ok. On va tenter ça. Allez. Je crois que j'ai un consommable qui permet d'avoir 1 milliard d'XP. Hey, let's go. Ah bah voilà. Le prochain gros jeu attendu, hein, c'est le protocole Callisto. C'est un gros jeu d'horreur qui s'inspire de Dead Space et qui a l'air d'être prometteur. Sinon, début décembre, potentiellement, la mise à jour graphique sur The Witcher 3. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Il sort pas sur PC. Il sort sur console Sony.
On va attendre l'année prochaine sur PC. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas l'année prochaine sur PC quand il sortira. Oula. Ça va faire mal. Bah ouais, hein. Une capacité de feu sur un monstre qui est à base de capacité d'eau, ça fait mal. Déjà que je sais même pas si le jeu de Square Enix Forspoken qui sort fin janvier 2023 sortira sur PC, puisqu'il y a Sony qui commence à dire que ça va être une exclusivité pendant 2 ans Sony. Pourtant le jeu était annoncé sur console Play et sur PC. Il y a 2 coups qui ont été donnés là, ça fait 0 dégâts. Hein. Et sinon là-bas, t'as eu du beau temps? Ça serait le comble que t'ailles qu'une fois là-bas, t'as eu que de la pluie. Que de la pluie et des nuages. Ah voilà.
Des coupures d'eau et d'électricité. Ah merde. C'est habituel là-bas ou c'est exceptionnel? Et sinon, t'es content de rentrer ou tu serais resté un peu plus longtemps? Ça va être une arène de combat là. C'est habituel? Il veut pas crever lui, ah, quand même. Pas fini. Oh là là, pas de bol. T'as une vague idée de quand tu y retourneras? J'espère qu'il est sensible au feu. Regarde, super.
Du coup, pour le taf, tu reprends quand? Lundi ou tu te fais un petit break? On peut passer encore à un autre niveau. Allez, encore en magie. Trente-six, on donne. Trente-cinq, on donne. Trente-huit, quarante. Ah non, non. Ça, non. Aucune idée? À ce point-là? En me disant ça, en fait, je crois comprendre que ça a changé. C'est ce que tu essayes de dire, Braise? Allez, on retente. Donc c'est là où il y avait un adversaire élite
vraiment fort, qu'on n'a pas réussi à tomber. Et cet adversaire élite, en fait, c'est un adversaire qu'on rencontre à la dernière mission du dernier DLC. C'est tendu. Il n'y a pas eu de problème là-bas, j'espère. On va passer à l'arquebuse. Ça c'est fait. Oh.
On s'en sort mieux que la première fois. Ah ouais, à ce point-là. Bonsoir Harry, bonsoir. Il y a Braise avec nous qui est revenu de son voyage. Et là, on est sur la troisième mission principale de la première partie. Bah bon appétit, t'as fait une grosse journée alors. Parce que apparemment je crois que tu as dû te lever très très tôt. Si tu rentres que maintenant, t'as fait quoi, une journée de 11-12 heures? Bon, au moins, il y a une chose qui sera pas serrée. C'est ta fiche de paye à la fin du mois. À condition qu'il te paye les heures sup. Allez, un petit saké, ça se passe bien pour le moment. Plus très bien là. Passe même très mal. Passe très 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 mal. Ouais, tu balances pas tes saloperies là. Un peu de respect quand même. S'il me balance bien ce que je crois deviner, c'est franchement dégueulasse. Ouais, ce week-end, t'as un week-end de... Est-ce que t'as un week-end de 3 jours avec le 11 novembre? Oui, il me balance bien ce que je pense. Ah bah oui, j'ai déjà la réponse. Oui, encore une journée à serrer les dents. Je pense que... Je pense avoir compris.
Alors, c'est juste un tout petit peu plus loin, on avait rencontré un adversaire terriblement badass. On va pas prendre de risque qu'on peut passer un niveau. On verra si on peut le passer, si on peut pas, bah tant pis. On fera 100. Allez toi, hop, à dégager. Toi aussi à dégager. Et à dégager. Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué. C'est pas gagné. Là, franchement, c'était impossible à la passer hein, avant-hier. Impossible de la passer. Pourquoi les petites modifications là, sur le build, elles ont apporté leur... leur effet. Excusez-moi. Voilà. Je suis perdu. Je sais pas par où on est arrivé. Je suis complètement perdu. Je crois que j'ai raté quelque chose.
On est arrivé par où? Par ici, me semble. Non. Pourtant, il semble que si. Ouais, ouais, on est arrivé par là. Carrément direct. Je crois qu'il y a un mur par ici. Ah, ça doit être ça. On a une deuxième. Ils auraient remplacé les sirènes par ces mobs. Eh ben ça promet. C'est pas gagné si c'est le cas. Hein.
On avance nettement mieux que la première fois. Mais je suis obligé de gérer les ennemis un à un. Sinon c'est l'horreur. J'ai aucune idée de ce que je vais affronter. Wow, ce qu'on lui a mis. Fatality. Faut débloquer le raccourci. C'est pas le moment de crever. Hein. Et après, pour récupérer l'XP, c'est la misère. Alors, dégaine pas ton katana. Voilà. Brest, tu vas te remettre sur Elden Ring? Bon bah, pas mal. Une autre étape de compléter ici. On y va. Ah mais au fait t'es pas au courant, Mario et les Lapins Crétins 2 ils ont été reportés à l'année prochaine pendant tes vacances. Are you serious? Parole de streamer. Oh.
Oh là là, il se met contre la paroi, j'ai pas accès à son ventre. Ça va être chiant. Ah sérieux? J'espère que ça n'a pas posé de problème, que t'avais pas des rendez-vous importants. Oui, on change d'heure le dernier dimanche du mois d'octobre. C'est à ce moment-là qu'on dort une heure de plus. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que quand il est 3h du matin, il y a le chemin d'horreur s'effectue et pour basculer de 3h du matin à 2h. Bien sûr, à travers les structures, non mais what the fuck. Ah, il y a un chat. Je crois que j'ai raté une statue. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai raté une statue. Le chat, c'est peut-être pas du luxe. Hein. Possible. Mais t'es rentré quand exactement? Aujourd'hui? Yep.
Salut Franck, salut! Le ménage qu'on a fait. J'adore. Oh, le coup de stress que t'as dû te faire. Enfin, ça a dû être marrant, j'aurais bien voulu voir ta tête à ce moment-là, tiens. T'as pas eu le temps de dormir dans l'avion? Enfin, t'as pas eu le temps. Je me suis pris mal. T'as pas réussi à dormir dans l'avion, ouais. C'est tout ce qu'il faudrait dire. Pas eu le temps. Tiens, au fait, Franck, les fameux accessoires qui donnent plus un enfin moins un en bonus de set d'armure, tu ne peux pas les cumuler, malheureusement. Et je suis perdu. Magnifique. Oh. Je suis complètement perdu là. Par là. Donc ça a pas d'intérêt d'en avoir deux sur son personnage. Sauf si je me trompe, hein, bien sûr. Qu'est-ce que tu manges de bon, Harry? Oh là là, encore des... Non mais c'est pas possible quoi. Et là, je peux pas la ralentir. Thank you.
J'ai pris bien cher. Que j'ai pas de l'armure. Non. Bon. Comment je vais faire? En plus, à ce heal. Une omelette? Bah, bon appétit. Ah, ça marche pas ça. Ah, je pourrais pas l'atteindre. Quelle saleté ces mobs. Donc j'ai fait une connerie là. Eh hey, tiens, dégage. Excusez-moi, besoin de me moucher. Alors. Bon, on va continuer à l'arc. Voilà. Ok. Yep. Thank you.
Hey, on a récupéré l'XP. Ah oui, quand même. Oh là là. C'est pas grave. Oula la saloperie, je l'aggro. Oui, il crache de l'eau à travers sa pince, ce qui est tout à fait logique. Bon là on a des parchemins pour la rentir. Ça devrait pouvoir passer. Je vais prendre cher. GG. Elle est bien pratique quand même la technique de la yokai hein, contre ces adversaires là. Et on a fait tout ça pour. J'espère que c'est intéressant. Allez. Ah oui, mais il crache à travers sa pince. Hein. C'est ça qui est assez spectaculaire, on va dire. Remarque, t'as bien des poissons qui crachent pour faire tomber des insectes, des branches. Je me demande si c'est pas en Amazonie.
pas ce qu'on va affronter là. Un crabe. Saleté. Allez, relève-toi. Oh là là, des fois tu spammes les touches, c'est dingue. Il se passe rien. Non, je vais voir ton ventre. Ton ventre. Ouais, presque une arme d'électricité juste pour les crabes. Ils sont très sensibles à l'électricité. On n'oublie pas de débloquer ça. Si ça se passe mal, on aura un raccourci. Non, le canon c'est un peu extrême. L'arquebuse. On va peut-être arriver jusqu'au boss. Est-ce qu'on va réussir à le vaincre? Ça, c'est autre chose. Non, non. Oula, j'ai failli tomber. C'est vraiment bête d'affronter les deux à la fois, là. Et à lui, on l'élimine. Allez, faut que tu tombes vite. Je pourrais pas t'affronter avec le crabe. Plus, il est en mode élite. Voilà, c'est bon. Et il reste plus que lui. Voilà, si on crève devant notre clone, je suis dégoûté.
me méfie avec les clones parce qu'hier il y en a un qui m'a buté hein, quand même. Et assez méchamment en plus. Alors, si les crabes au bord de la mer avaient cette taille, c'est eux qui se promeneraient avec un seau et une épuisette. You serious? Alors... Ouais, je m'en doutais. Ouais, ils ont repassé les sirènes par ces boss-là. C'est terrible. Allez, let's go. Je pense que je vais me faire démonter. Ouais, sauf que là, je joue mal quand même.
First try. C'est un boss qui est pas facile. Voix du Nio, first try. Avec un build un peu osef. Bah merci, merci. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, pour être honnête. Je m'attendais à me faire exploser avec une violence pas possible. Et c'est grâce à Franck, hein. C'est Franck qui m'a conseillé d'utiliser cette compétence de Yokai. Donc merci beaucoup Franck, hein. C'est très très pratique. Oh, le dojo, on n'y va pas tout de suite là, c'est même pas la peine. Voilà, ça je te le donne pas. C'est trop haut niveau. Trop niveau. Trop haut niveau. Quoique c'est du 37. Non, le 38, non. Bon, allez. Ça me fait un peu de PO, on en a besoin. Ben merci Franck. Là, ce que ça change vraiment la donne, hein, sur le combat. Hein. Excusez-moi. Échange. On n'en a même pas consommé. Hein. On arrive encore à avoir des recettes de craft. C'est dingue. Vendre. Non, avant de vendre, on va consulter. À la hult. À la hut. À la hult. Pour voir si c'est intéressant. À vendre. À vendre. Irasshai. Niveau 30, enfin plus 36, c'est trop bas. Ça, après, ça coûte trop cher à monter. À la rigueur, on peut les garder, les plus 36, sur les pièces qui sont vraiment rares.
Voilà, encore ça peut avoir de l'intérêt, quoique. Alors là, on procède par type d'arme pour que ça coûte moins cher. Bah là, on peut rien level up. Là, oui. J'ai pas accepté. En fait, ouais, y a rien qui m'intéresse. À terme, je vise la grâce d'Izinagi, puisqu'on joue avec pureté. Pardon. Alors là, je peux rien faire. Je commence à fusionner par type d'arme, ça coûtera moins cher.
Puis après, on verra globalement si on peut améliorer le bâton. Ah, fallait accepter. On doit probablement pouvoir améliorer le bâton parce qu'on va avoir pas mal d'objets niveau plus 39. Ça, je le mets de côté, je verrai plus tard ce que j'en fais. Ok. Alors. 40. 39, 39. Ça, j'ai dit que je mettais de côté. Ça me fait un 41, c'est ça? Il est où? Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Peut-être pas un 40, c'est peut-être un... Ah, c'était pas un 40, c'était un 40... c'était pas un 41, c'était un 40, pardon. Je commence à fatiguer, là. 41. Ouais, tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher à monter, hein. Allez, Osef. Ok. 41. 42 43 43, avec le 43 ça va me faire un 44. Pas planté, hein. Alors avant, on va voir si on peut pas le renforcer parce qu'il a des stats qui sont pas génialissimes quand même. On passe énormément de temps à la forge, hein, à la fin du jeu. いらっしゃい。
On veut pas de ça. Ouais, que je vais pas voir mieux. Je me plante pas par rapport à la constitution. Non. Normalement, ça devrait pouvoir mettre le bâton en 200. Là, ce bâton, il est en 190, mais la fusion devrait pouvoir le transférer en 200. On va regarder ça. Oui, il passe bien en 200. Pas intéressant, je les garderai pas ces pièces d'armure. Vu que j'ai un bonus de moins 1 en équipement de 7 pour avoir les bonus, vous voyez, là j'ai un item qui me permet d'avoir un élément de moins de 7 pour avoir le set complet. Il faudrait, là je suis en train de regarder si je peux pas avoir une. Faudrait que j'ai une armure lourde en Easy Gani. Sur l'une des deux pièces vertes, je gagnerais en résistance. Et ça permettrait de commencer à faire évoluer l'autre set. Merci Harry, bonne nuit et bon courage à toi pour demain. Et merci de nous avoir accompagnés Harry. Ciao ciao, bonne nuit.
Bon, on pourra pas monter le casque, hein. C'est pas possible. C'est pas ce que je vise, c'est pas du tout le set que je vise. J'ai l'impression que ça va être très très long pour monter un set en éthéré, hein. Non, on va garder ce qu'on a. On va garder ce qu'on a. Pas ce que je cherche non plus. Ensuite, ouais, mais c'est du léger, j'en veux pas du léger, ça sera à vendre. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Bon, ok. Ça finit par devenir fastidieux, hein, de faire toutes ces opérations de fusion. Bonne nuit, bonsoir, bonne nuit.
Bon. Mutation UK prolongée. Bon, on va retenter d'améliorer notre parchemin, quoi. Quelle heure il est ? On rush un autre monde rapidement. Alors les abysses pour Brest, c'est quelque chose qui se débloque quand on finit le jeu de base en New Game Plus 3, c'est-à-dire en voie du stage, l'avant-dernier New Game Plus. On y loot des gemmes qu'on peut échanger pour acquérir des bonus qui sont actifs dans les abysses et dans le jeu, dans tout le jeu, pour certains de ces bonus, et uniquement dans les abysses pour d'autres bonus. Et là, j'aimerais bien me concentrer sur l'augmentation de taux de butin d'équipement avec un objet supérieur à celui que vous recevez normalement. C'est-à-dire que ça aiderait à augmenter nos chances d'avoir du matériel de niveau 200. De base, on a du matériel niveau 190 et du niveau 200, c'est extrêmement rare. Et là, il nous faudrait 40 unités et on n'en est qu'à 27 de la lapis lazuli. Et à la fin, il y a un combat de boss. Donc ça change des abysses de New 1, puisque dans New 1, on avait 4 épreuves à faire de façon optionnelle pour retirer chaque épreuve un malus. Là, on a une carte avec 4 Kodama à trouver. Et pour chaque Kodama qu'on a trouvé, on obtient un bonus. Ah, j'ai oublié de changer le skin du bâton. Il est tout moche. Ça s'annonce pas bien là. Tu ralentis. Très mauvais. J'essaye de rentrer dans le bâtiment, mais j'y arrive pas. Ouais. Je vais le débrouiller. Bon, lui, on va l'éliminer, comme ça on sera tranquille. Voilà, dégagé. Bonsoir à toi, bonsoir à Mezufri. Alors Mezufri, pourquoi free? Parce que t'es libre ou parce que t'es tombé dans la friteuse? Et bonsoir à toi. Are you serious? T'as été frustré par un yoke.
Tu joues sur quel support? Console, PC? Play laquelle? Play 4, Fat, Slim, Play 5, Play 5. Ils ont fait un patch next gen pour la Play 5. Qu'est-ce qu'il apporte ce patch? J'imagine que bah, peut-être un peu plus d'images, le frame, une amélioration du framerate peut-être, meilleure image aussi. FPS, d'accord. Ouais. C'est quoi de base? C'était à 30 et là c'est passé à 60. Ah bah alors là, ça, si c'est pas gâché. Bientôt God of War Ragnarok pour toi sur Play 5. Ah ouais, donc tu connais bien le jeu, certainement bien mieux que moi alors. T'as déjà joué à The Witcher 3? Sur Play 4? Qu'a priori on aurait peut-être le patch next-gen début décembre. D'accord. Bah, je vais te présenter brièvement la chaîne. Brièvement parce qu'on est en fin de live là. C'est une chaîne qui est orientée multijeux. On fait des jeux essentiellement sur. On fait que des jeux sur PC de toute façon. On a une préférence pour les action RPG. Et bah justement The Witcher 3. Vite, 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 vite. Des Ascrid tels que Origin, Odyssey, ou des plus anciens. Des action RPG type Souls. On fait également du pur RPG de temps en temps, plutôt type Donjons et Dragons que JRPG. On fait du hack and slash aussi. En hack and slash, on n'attend pas spécialement Diablo 4, on attend plutôt. La version finalisée de Last Epoch, Path of Exile 2, pour Diablo 4, on verra. Hein. Si Blizzard se plante pas, bah tant mieux. Puis s'il se plante, bah c'est pas grave. On l'aura pas spécialement attendu. On fait des jeux histoire. Alors qu'est-ce qu'on appelle des jeux histoire? Bah, c'est des jeux de Rockstar, donc Red Dead, GTA. C'est des Star Wars. Bah notamment Star Wars Jedi Fallen Order, on attend la suite, Survivor. On a SKOTOR aussi, hein. Il y a un remake de SKOTOR qui est en cours, qui devrait arriver. Quand, on ne sait pas. On fait un peu de jeu de simulation. On a fait SnowRunner, qui est une simulation de véhicules lourds en tout terrain. C'est bien foutu, hein. Mais faut être très patient. Très très patient. On fait des jeux d'horreur aussi. Et en jeu d'horreur, bah, on attend le protocole Callisto
Et je sais pas pourquoi, pour un bon moment, je disais le projet. Le protocole Callisto qui s'inspire de Dead Space. Et il y a un remake de Dead Space qui va avoir. Qui normalement devrait sortir fin janvier. Merci pour le follow, c'est super gentil. Quoi d'autre te dire? On fait des jeux de survie aussi. Mais assez peu. On avait fait No Man's Sky en hardcore. C'est-à-dire que t'as qu'une seule vie. Si tu crèves, bah, tu commences tout depuis le début. Oh, flûte. Et voilà. Quoi d'autre? On fait des jeux indés. En jeu indé, ça va être par exemple des roguelikes tels que Hades. Ça a été Darkest Dungeon qu'on a fait en intégralité. Merci à Brest d'ailleurs pour les conseils. Ah, si tu aimes l'RPG, si t'as un PC, mais même si t'as un PC vieillissant, je te conseille les jeux de Black Isle, c'est-à-dire Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2. Surtout que c'est vraiment orienté licence Donjons et Dragons. Tu vas bien t'éclater. Le premier est sorti en 1998, le second en 2001. Donc oui, ça date. Baldur's Gate 3, qui est pas fait par Black Ice, mais Larian Studio, c'est le studio qui a réalisé notamment les Divinity Original Sins. C'est un studio belge qui est très talentueux. Qui crée Baldur's Gate 3. Je sais pas s'il sera prévu sur console. Et sinon, pour revenir au jeu indé, bah, ça va être Hades, Darken Dungeon et d'autres jeux. Et globalement, bon, on essaye de faire des jeux assez sympas et puis dans une ambiance tranquille. Pas spécialement ce qu'il est, mais on essaye de, au moins tous les action RPG, on les fait en difficulté hard et généralement on parvient à la fin en galérant, mais on parvient à la fin. Ah, je savais pas qu'il l'avait adapté sur console. Quoi d'autre te dire sur la chaîne? Si t'as un compte Discord, bah t'es le bienvenu, il y a un lien vers le Discord. Et très récemment, on a créé une chaîne YouTube. Pourquoi? C'est parce que bah, des fois, il y a des viewers qui partent à l'autre bout du monde, qui sont pas sur le même créneau, pas même fuseau horaire. Ils partent pour un bon moment. Et les vidéos sont stockées pendant 24 jours sur Twitch. Donc on crée une collection et les vidéos sont accessibles librement dans les collections à dédiées au jeu. Et si t'as des questions sur la chaîne, n'hésite surtout pas. On va prendre un risque, j'espère qu'il a un bon parchemin lui. J'ai peur de me faire fumer. Direct en mode yokai, génial.
On est aux abysses, on est en voie du Nio. Et il nous lâche même pas un parchemin du sage, quoi. Je m'attendais à un parchemin de la voie du Nio. Ou pire, un parchemin de la voie du sage. Non, la voie du démon, quoi. Non, mais si c'est pas volé. Hein, je joue en fait sans les mains. Je joue sans les mains. Serious? Ça c'est couillon ça. Ça c'est vraiment couillon. Ça dépend, tu vois. Par exemple, Cyberpunk 2077, j'y jouerais clavier-souris. Merde. C'est ballot là ce que je viens de faire. Bah, de toute façon, Cyberpunk 2077 tout court. Certaines cartes, le début de la gamme de cartes graphiques Nvidia, donc les RTX 3000, était sorti quelques semaines, voire quelques mois, 2-3 mois, grand max, avant la sortie de Cyberpunk. Faut savoir qu'en 4K, hein, avec la 3090. Je sais pas si tu connais le DSS, c'est une sorte de technologie d'hyperscaling. Donc en 4K avec le ray tracing et les paramètres à fond, ça tournait en 22 à 40 images par seconde. Avec la technologie d'upscaling de Nvidia, ça tournait à 50-55 images par seconde. Et c'était une carte graphique à plus de 2000 balles, quoi. Donc, ouais. San Andreas, c'était quoi sur PS3, non? Tiens, petite question, vu que t'es joueur sur fin de la PS2. Ah ouais, donc ça remonte encore plus. Donc si tu connais ça, c'est que tu dois avoir déjà un certain âge alors. Petite question. T'es pas sans savoir que Ubisoft rachète beaucoup de studios pour pouvoir avoir des exclusivités. Et que notamment ils ont racheté Bethesda. Imagine que pour le prochain Elder Scrolls, qui est une exclusivité. Oh merde. Ah merde. Il y a une exclusivité même temporaire. Microsoft et PC d'un an. Qu'est-ce que tu fais? T'attends sur Play ou t'achètes une console console Microsoft?
Je sais pas si ça arrivera. Hein. Mais quel salaud. Ah bah voilà. Ah bah voilà, on a perdu l'XP. Pas grave. Ça fait partie du jeu. Allez, on va sur l'épreuve. Ah, il bosse à Micromania. Les viewers pourraient être sympas, pourriez offrir un sub T3 à Mitsufri. Comme ça, offline, je pourrais lui demander si il y a moyen d'avoir une PS5. You serious? Bon, c'est un peu dommage, on a perdu 3 milliards d'XP. Bah justement, si tu bosses à Micromania, que penses-tu de la future manette pro de Sony? La DualSense Edge, qui a plus de 200 euros. Est-ce qu'on n'est pas dans des tarifs qui sont complètement déraisonnables? Tu te rends compte que deux manettes, c'est le prix d'une console? Qu'est-ce qu'ils mettent dans cette manette-là qui justifie un tel tarif? Et puis la manette, elle a intérêt à être sans faille. Hein. Pas de problème de gâchette, de drift. Pas de bouton qui déconne. Faut vraiment que ça soit sans faille à ce tarif-là. Mais tu penses que vous aurez des clients au magasin qui achèteraient ça? Merde, c'est la première fois que... Voilà, je commence à fatiguer là. C'est la première fois que je crève contre lui. Bon allez, on va jouer sérieusement. Quelques-uns ? Bon allez, on va faire ça sérieusement. Allez, hop. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu moins parlé sur ce combat. Ah zut. J'ai vu trop tard, ça chope. Ah
pars. Ah mais j'arrive pas à les éviter, c'est dingue. Tu joues avec quel type d'arme dans le jeu, Mezu? Enfin, moi j'ai remarqué quelque chose sur les manettes. J'aime bien les manettes Xbox, mais j'ai un problème avec. Que ce soit la manette de base, les gâchettes finissent par se casser sur deux parties. La partie en plastique qui maintient le cache du bouton sur la gâchette. Et également la petite languette plastique qui est flexible, qui permet ensuite d'activer le connecteur. Enfin, c'est pas un connecteur, le récepteur. Donc, généralement, la petite languette plastique, elle casse. Et l'accroche, le petit crochet en plastique pour le cache de la gâchette, casse aussi. Et ça casse assez rapidement, hein, en quelques mois. Donc ça sur la manette de base. Tu prends une élite, tu as le même problème. En plus sur les élites, tu te dis hein, le revêtement plastique sur les sticks va être de meilleure qualité. Et non, il se déchire. Tu te dis bon, ok, c'est la version 1 de l'élite. Il y avait des défauts de conception, ça fait quand même mal hein, parce qu'elles ne sont pas données. On peut se dire qu'avec la version 2, ils ont corrigé ces défauts. Non, tu as exactement les mêmes. Bizarrement, tu prends une manette d'Xbox 360, ça fonctionne toujours. Et ces problèmes de gâchette, je l'ai que sur la manette Xbox. Donc c'est pour ça que j'ai fini par prendre une manette PlayStation 5, parce que j'ai pas de ce problème là sur la manette PlayStation. Je dis pas qu'elle est de meilleure qualité, elle a d'autres défauts. Mais je dois avoir une façon d'appuyer sur les gâchettes qui fait que bah, ça s'use beaucoup plus vite que à la normale. J'appuie certainement avec trop de fermeté. Mais au prix où ils vendent leurs manettes déjà de base, c'est 50-60 balles, je crois. Si c'est pas plus, c'est pas donné hein, une manette. Qu'elle retourne aussi vite en SAV, ça fait mal.
Les manettes Elite, encore, c'est encore moins acceptable. Et en plus, quand tu en retournes en SAV, il est très bon le SAV de Microsoft. Ils t'envoient une autre, mais pas celle que tu as envoyée. Ils t'envoient une qu'ils ont réparée de quelqu'un d'autre. Donc si c'est quelqu'un d'autre qui a pris soin de sa manette, bah, c'est très bien. Mais tu joues à la roulette russe. Si c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi, bah, ils ont couru, ils ont réparé tant bien que mal la manette. Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, tu vas avoir à nouveau de nouveaux défauts sur cette manette-là. Donc au prix des manettes, et notamment sur les versions élites, je trouve que c'est particulièrement abusé. Et même sur les manettes très haut de gamme, hein, y a des problèmes similaires. Qui sont pas les manettes des constructeurs de consoles, il y a des voilà, c'est juste infernal. C'est je trouve que là ils se foutent un peu de la gueule des consommateurs, on pourrait même dire des consommateurs. C'est inadmissible parce que on va pas me faire croire que à la conception et au test de ce qu'ils ont conçu, ils ont pas réalisé qu'ils avaient des défauts sur leur produit quoi. Et les gens qui en ont marre d'attendre le retour de leur manette au SAV, bah, qu'est-ce qu'ils font? S'ils peuvent se le permettre, bah, ils en rachètent une autre. Et depuis la génération PlayStation 4 et Xbox, équivalente de cette génération, en fait, on a des manettes qui sont extrêmement fragiles. Et pour travailler là où tu es, tu dois... Enfin, t'as dû réaliser qu'au niveau... retour de manette, c'est catastrophique. Ah, t'as un drift sur ton joystick, bah, ça doit être génial en jeu, ça tire. Canon, il y a peut-être moyen d'améliorer un canon là. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de SAV? Les 36, faut que je les vende là, même pour les bâtons, l'écart est trop important. C'est... Je loot encore beaucoup de 37, donc je vais le garder le 37, mais... En armure, qu'est-ce qu'on a? Pour les horaires de la chaîne, on stream en soirée. Généralement, on a fini largement à cette heure-ci. Hein. Là, je suis un petit peu de rab. Le week-end en après-midi. Donc là, on continue tranquillement sur Nioh 2. Et on va voir si on peut finir le dernier mode New Game Plus, c'est-à-dire la voix du Nioh. C'est peut-être un peu ambitieux hein, parce que ça pique méchamment. Après, on ira très certainement sur le projet Callisto. On envisageait de faire Gotham Knight, mais le jeu est vraiment bof. Je sais pas si tu l'as fait, si tu as des retours de consommateurs sur Gotham Knight. Ah bon, on n'a plus de PO. Donc on l'a pas fait, on attendra qu'il y ait des patchs, que le prix diminue, on verra si on le fait. Comme je t'ai dit, on attend le patch next-gen sur The Witcher 3, The Wild Hunt. Et si franchement ça vaut le coup, que le ray tracing est bien fait, qu'il n'y a pas de bug graphique, qu'on ait une bonne expérience, on le refera très probablement.
en marche de la mort et on essaiera de faire zéro fail cette fois-ci. Et puis après, il y a d'autres jeux qui vont arriver. On va arrêter là pour ce soir. Là, il se fait vraiment tard. Bon, bah, on a fait finalement la troisième mission avec un first try sur le boss de la troisième mission. Je m'y attendais pas. Et en plus, on l'a joliment tombé. Hein. Sur la fin de live, par contre, c'était moins beau. Désolé, je commence à fatiguer. Merci de m'avoir accompagné. Merci au Moustoir. Merci à Braise. Et bon retour de vacances, Braise. Merci à Franck. Merci à Ri. Merci également à toi, Mezzoufri, pour nous avoir accompagné sur le chat. Et puis pour le follow. D'accord, je viens de lire ton message pour les manettes. Demain soir, on reprend à partir de 20h. Je verrai si je peux commencer un quart d'heure en avance. Je streamerai probablement pas jeudi, vendredi après-midi. Je verrai, mais je verrai. Je déciderai au dernier moment. Je sais que c'est férié, on verra. On se retrouve donc demain soir. 20h, voir si je verrai si je peux commencer un quart d'heure en avance. Merci à vous tous, bonne nuit, bon courage pour demain, profitez-en bien pour ceux qui sont en vacances ou qui font le pont, et je vous donne rendez-vous à demain soir, 20h. Bonne nuit à tous, merci pour votre fidélité, à demain soir.